Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau format dédié à Power Rangers, Comics et tous leurs petits copains. Aujourd'hui, c'est le tome 4 de Mighty Morphin Power Rangers qui sort chez nous en France chez Glin. Je suis pas encore allé le chercher, mais j'ai fini la vidéo et j'ai chez mon libraire. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu les comics Power Rangers et qui se disent bah tiens, attends, je kiffe Power Rangers. Comics, hein, je pourrais lire. Ou alors, bah, ouais, moi je lis plutôt DC, Marvel. C'est un peu redondant, tiens, si je voyais une autre équipe de super-héros qui pourrait être un peu cool. Du coup, pour bien préparer ta lecture du premier volume de Mighty Morphin Power Rangers, tu as plusieurs possibilités. Soit tu regardes bah, déjà le tout premier épisode, histoire que quand tu ouvres le bouquin, bah, tu te retrouves pas face à de parfaits inconnus, hein, tu sauras déjà qui c'est, quels sont les différents bails. Ensuite, il y a un autre épisode à la fin, c'est la conclusion de l'arc rencontre avec le Ranger. Ça te permettra de savoir bah, qui est ce nouveau Ranger vert, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été créé, et bah, qu'est-ce qu'il fout là, quelles sont ses relations avec le Ranger, parce que c'est là que se base l'histoire du comics Mighty Morphin Power Rangers. Ah oui, et d'ailleurs, au passage, tous ces épisodes, hein, même si t'as pas les DVD, ils sont dispo sur Netflix. Sinon, si tu connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un compte Netflix, ou alors, si tu veux pas t'embêter à voir l'épisode de Power Rangers, hein, c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Et ben, tu peux tout simplement regarder ce petit résumé accéléré que je t'ai concocté. Au premier épisode, Rita s'évade de sa poubelle de l'espace pour pouvoir, du coup, aller conquérir la Terre, parce que c'est son job, elle a signé pour ça, hein. Elle en se dit, la meuf, hein. Voilà, 10 000 ans après, elle est file à nos postes, la nana. Du coup, afin de pouvoir contrer Rita et sa bande de sbires, Zordon demande à Alpha... Elle est morte jusqu'ici, 5 êtres humains, je suis enthousiaste et plein d'énergie. Donc du coup, nos 5 adolescents, Jason, Billy, Trini, Zach et Kimberly, qui étaient tranquillement en peinard dans leur petit bar du campus, tenu par le fameux Ernie et avec les deux lourdingues de service plus de qu'est-ce que, se retrouvent téléportés dans un endroit totalement bizarre avec... C'est un robot multifonctionnel, un modèle qui est très perfectionné. Donc du coup, Zordon leur explique qu'il y a une méchante et que vous serez les Power Rangers et vous allez les sauver et vous allez avoir le droit au puissant Megazord pour quand les monstres deviennent géants. Et donc voilà pour ce qui est de ce premier épisode, hein, en résumé vraiment très accéléré. Ensuite, il y a l'arrivée du Ranger Vert. Oui, car en effet, Rita, elle en a un peu marre de tout le temps se faire poutrer par les Rangers. Hein. Ça finit toujours pareil. Du coup, Rita se dit... Eh ben autant combattre le mal par le mal. Enfin, le bien par le bien. Enfin, bref. Tommy, je t'ai choisi. Et donc, dans cet épisode, on arrive sur un constat que, bah, tout le temps, le Ranger vert arrive à vaincre les Rangers et il tape. Ça fait bobo, quoi. Sauf que en fait, ce Tommy en l'occurrence est un peu en quelque sorte possédé par l'épée des ténèbres. Donc du coup, les Rangers vont réussir à détruire cette fameuse épée des ténèbres et faire en sorte bah, que Tommy redevienne gentil. Et donc au final, au lieu que Rita ait un Ranger à elle pour pouvoir poutrer les autres Rangers, au final, elle se retrouve contre 6 Rangers. Attention à toi, Rita, on va te régler ton compte à nous, les... C'est quand même un peu la loose pour elle. Donc voilà, maintenant tu as toutes les bases pour pouvoir commencer les Comics Power Rangers. Du coup, je te souhaite bonne lecture et que le pouvoir te protège. Ciao.